Don't you know who this is? L'icône de jazz Billie Holiday est mise à l'honneur dans un long métrage réalisé par Lee Daniels. The United States vs Billie Holiday est un nouveau film qui se concentre sur quelques épisodes de la vie de la chanteuse afro-américaine. Loin du biopic, ce film traite de ses contributions au mouvement des droits civiques et de sa bataille contre le gouvernement américain. Nous savons qu'elle est une incroyable chanteuse de jazz, nous savions qu'il y avait un peu de noirceur, et c'est pourquoi elle était capable de vous transmettre ce qu'elle vous a donné. Mais nous ne savions pas qu'elle avait lancé le mouvement des droits civiques tel que nous le connaissons actuellement, nous ne le savions pas, et je pense que c'est ce que fait le gouvernement, c'est ce que font les médias, c'est ce que fait l'Amérique, ne pas raconter nos histoires. Et donc il était vraiment important pour moi de raconter l'histoire de cette femme. C'est donc à travers l'histoire du titre controversé Strange Fruit que nous suivons la chanteuse Andra Day qui incarne le rôle de Billie Holiday. Alors que la célèbre ballade est interdite pour ses paroles véridiques sur l'injustice et la ségrégation, l'artiste se bat pour le droit de parler et de chanter sa vérité. Il y a tellement d'histoires qui ont été refusées ou qui n'ont pas été autorisées à être racontées. Cela me sidère que nous ayons une histoire de Harriet Tubman l'année dernière et que maintenant nous en ayons une pour Billie Holiday. C'est un grand honneur, je pense, pour nous tous. Cette histoire, celle de Billie Holiday en particulier, est si importante et si belle pour moi, car Billie Holiday représente ma mère, ma grand-mère, toutes ces femmes noires fortes et belles que j'ai eues dans ma vie. Et donc oui, le simple fait d'avoir l'occasion de faire la lumière sur une histoire qui met en lumière la lutte, je veux dire, nous voyons la lutte des femmes noires tout le temps, mais pas au point qu'elles soient si peu apologétiques au sujet de ces droits ou qu'elles défendent ce qu'elles croient. La chanteuse Andra Day a été nominée pour un Golden Globe pour sa performance en tant qu'icône du jazz.